attention, ne laisse pas embarquer. Nous venons d'empanner, c'est pas empanner d'ailleurs, de passer bâbord à mur après plusieurs jours, voire une semaine, 10 jours tribord à mur, ça nous change. Il faut qu'on reprenne toutes nos habitudes. Pendant ce temps-là, Pierre vient de prendre le relais après le relais de Catherine. Et d'ici quelques heures, me passera le relais. Maintenant, nous avons Antoine à la barre pour son quart de 4 à 6 le 13 décembre 2013. La mer est belle, agitée quand même, la force 5 à 6. On descend tranquillement. Dans un trou dans les nuages qui reflète ses rayons par-dessus, par-dessous. Nous sommes à 550 milles de la Martinique, droit devant. Ah là, c'est chouette avec la lumière en pleine face et tout. C'est un petit peu aveuglant. Ah ouais, mais c'est bien qu'eux aient pensé à le faire. Après, pour le logiciel, pour le montage. Après, pour l'écran, pour pouvoir regarder aussi. Attention. Ah putain, on a plus de saut. Là, c'est Papy qui fait du surf avec un bateau de 14 mètres. C'est juste énorme à voir. On s'éclate. Moi, je suis complètement sur le balcon avant, assis, avec le harnais, évidemment. Et regardez-moi cette vague-là. Regardez. Nous devons être aux alentours de 9 nœuds. À peu près. Les pointes à 11. Il va falloir que j'arrête, ça va être l'heure d'aller faire à manger pour ce vaillant équipage qui le mérite bien. C'est moi, j'essaye de filmer un peu cette belle aventure, n'est-ce pas? Et voilà, il y a tout plein le pont là. Oh, j'en ai pris une belle là, mais la caméra était pas du bon côté, c'est pas bien grave, de toute façon tout est trempé. Hein. La pêche est un peu meilleure.
fugu, mais t'en trouves qu'au Japon. Ouais, mais ça se trouve, c'est un tout. Alors, ouais. Un fugu en Atlantique, on aura tout vu.